Mesdames et messieurs, tout le monde en parle de Gérard Depardieu. Sur son passeport, c'est écrit « Profession vigneron ». Gérard Depardieu. Vive le vin, vive le raisin, vive le lait et la vigne. Comme un été, quand je me plaît, mais ça ne fait pas que bon signe. Tout tournant, la vie s'en va, en vacances, on prend la bouteille. Sur ma petite plage, je me dors des plumages, toujours à l'ouvrage, c'est bon signe. Vive le vin, vive le... Gérard Depardieu, bienvenue à Tout le monde en parle. Vous êtes à Montréal pour présenter vos vins. C'est rare qu'un vigneron attire autant de jeunes conférences de presse au Québec. Oui. On a dû vous confondre avec l'acteur du même nom. Non, c'est parce que les journalistes adorent boire. En fait, ils sont bourrés très souvent. Je pense, hein. Mais vous, vous ne l'êtes plus parce que maintenant, vous ne buvez plus. Mais ça peut reprendre, on sait jamais. OK, c'est pas parce que votre vin est pas bon, là. Non, non, pas du tout. OK. Non, au contraire. Vous êtes un vigneron qui ne boit plus et un acteur qui veut plus jouer au cinéma. Êtes-vous en train de vous redéfinir? Non, c'est le cinéma. C'est le cinéma qui veut plus faire de cinéma. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit au cinéma en ce moment, c'est pas tellement... Enfin, c'est pas les histoires que j'ai envie de raconter. Donc je me retire un petit peu. Mais si jamais il y a des copains, des copines qui ont des belles histoires, je peux rentrer dedans. Mais c'est vrai que l'industrie du cinéma est un peu lourde. On est quand même envahi par beaucoup de merdes américaines. Mais nous, on en fait pas mal. Là. On est dans une bonne vague de films québécois. Et ils sont populaires. Les gens vont les voir en plus. Mais si les gens vont les voir, c'est très bien. En France, ils vont plus non plus trop les voir. Alors, même les télévisions ne veulent plus de séries. Donc, alors, ils préfèrent des talk shows parfois comme... Comme tout le monde en parle. Ça ressemble un peu à l'autre abruti d'Ardisson, ça me semble. Oui, vous l'avez un peu varlopé. Je ne pas varlopé, c'est-à-dire je ne comprends pas ce garçon. Il fait des confessions aussi, il a écrit un livre de confessions. Sur lui, je ne sais pas ce que... Comment peut-on écrire un livre sur soi? Hein? C'est quand même étrange. Je travaille dessus, le mien, non? Ça, je se comprends. Ça me fait la peine. Hein? Vous avez fait une lecture des confessions de Saint-Augustin, la Basilique Notre-Dame de Montréal. Gérard, l'idée de cette lecture de Saint-Augustin est née de votre rencontre avec le pape Jean-Paul II. Qu'avez-vous trouvé dans ce saint sensuel? Ben justement, sa sensualité et ce goût... Non, c'est surtout la philosophie qui me plaisait d'Augustin. Puis quand même que c'est étonnamment moderne ce qu'il dit. Non, c'est bien. Puis il voulait, en vérité, il voulait faire un film de ça. J'ai dit, ah non, on ne va pas faire un film de plus sur Saint-Augustin. Il n'y a rien de plus chiant que de se mettre de ses vieilles robes, aller dans les baignoires des manichéens. c'est pas la peine. Donc j'aurais dit, il vaut mieux faire de l'éphémère. Saint-Augustin a mené une vie de débauche et à un moment de sa vie, il a décidé de se purifier de ses péchés. Est-ce que vous suivez les traces de Saint-Augustin? Non, je ne me purifie pas. Je continue la débauche. Non, parce que c'était une autre époque d'essayer de se purifier. Maintenant, on ne peut pas se purifier. Qui peut se purifier dans un état? Si, Ardisson, forcément. Il écrit ses confessions. Oui. Ah, il se purifie. Vous lancez actuellement 7 de vos vins au Québec, dont le château de Tigné, en hommage à la Nouvelle-France. On va y goûter Diaphane Diane. Ça me fait de bonheur pour boire du vin, non? Hein? Il est pas trop tôt? Non, mais je n'en bois pas en ce moment. Vous allez le goûter. Mais pourquoi vous avez arrêté de boire? Est-ce que c'est indiscret de vous demander ça? Ben parce que j'ai bu beaucoup et ça me... C'est-à-dire qu'il y a un moment, on devient très con. Bon, je veux bien croire que je le suis aussi, sans boire. Mais disons que la boisson n'arrange pas la connerie. Vous êtes peut-être l'alcoolique le moins anonyme que je connais. Oui. Ah non, ça, j'aime pas du tout les alcools anonymes. Ah non? Vous ne croyez pas à leur façon de faire? Non, je trouve pas. Pourtant, il y a une dimension spirituelle dans cette façon de faire. Oui, un peu trop. Enfin, entre con et spirituel, c'est limite. Hein. Alors, j'aime pas trop les congrégations, sauf des buveurs. Ça, si, je fais partie de la confrérie des fromages de tête et les culs de plomb. Les culs de plomb? Oui, les culs de plomb. C'est parce que c'est ceux qui restent tout le temps parce qu'ils ont peur que quand ils partent, on dise du mal d'eux. OK. Non, je ne comprends pas. Donc, vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission. Non, dites du mal de moi, il n'y a aucun problème.
C'est Yves Michaud, notre Robin des banques, qui distribue vos vins au Québec. Est-ce qu'il s'est bien occupé de vous? Yves, oui, mais il est malade parce que c'est trop pour lui, c'est trop. Trop de dégustation? Ou... Ah ben, non, parlons d'Yves Michaud et de son argent. Oui. Okay. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a avec son argent? Il la garde ou quoi? Oui, il le garde. Ah oui? Il n'aime pas le donner. Il épingre un peu? Ou... C'est pas pingre, c'est qu'il n'aime pas le donner, c'est le principe. OK. C'est le principe des pingres. Voilà, c'est le principe. Il est extraordinairement sympathique. Et... Non, mais moi, je l'aime beaucoup, vraiment. Ici, beaucoup, on dit cheap. Cheap, ah oui. Ouais. En France pensais... Ah ben oui, c'est comme chez l'autre, là. Enfin, ouais. On parle d'une drôle de langue. Oui. Mais c'est sûr que si vous avez un contact avec la langue québécoise, juste avec M. Michaud, c'est... Non, il parle très bien. Mais oui. Il parle bien. Il parle très bien français. Hier, il a dit à la télé, oui. Il fait froid à Pierre Fendre. Ah oui, mais ça, c'est des belles expressions. Oui. Je pense qu'on va y revenir. On ne dit pas ça sur la rue au Québec. Ah, non. Et on dit, il fait frais ton gel, Calvaire. Ça, je sais, c'est Gad Elmaleh qui va faire, oui. Qui veut faire l'accent. Ah oui, parce que lui... Très bien, mais ça, c'est qu'un accent. Ouais. En vérité, la langue, elle est belle. Moi, j'ai un accent berrichon aussi, mais... Pardon? Un accent berrichon, berrichon. Oui. Je vous cite, vous avez dit à la presse, je trouve que c'est en Anjou où vous faites votre vin. Mm-hmm. Et au Québec, qu'on parle le mieux le français, vous avez gardé ce français exceptionnel. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Ben, d'abord, le français. Le français me plaît. D'abord, j'ai perdu l'usage de la parole entre 15 et 17 ans. Et j'ai appris le français avec un professeur d'arabe littéraire qui était algérien handicapé. À l'époque, vous parliez en onomatopée, oui. Une sorte de bégaiement qui laissait vos phrases inachevées. Ben, et pourtant, adulte, vous avez joué Cyrano. Comment avez-vous réussi ça? Ben, c'est un peu comme Céline Dion quand elle chante. Il y a oui, une c'est voix... vrai, quand elle parle, elle a une espèce de bégaiement et il y a un côté, c'est vrai. C'est comme une chanson, un rôle. Vous savez, j'ai fait des films en anglais, je ne comprenais pas le quart de la moitié de ce que je disais. Je comprenais à la synchro. On ne comprenait pas non plus. Si, mais détrompez-vous, les autres comprenaient. Gérard, vous avez investi dans un puits de pétrole à Cuba. L'or rouge, c'est noble, mais l'or noir... C'est surtout la terre qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a au fond. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de votre terre? Ben, du pétrole. L'argent, ça n'a pas d'importance? L'argent? Énormément. Énormément. Bon, vous rejoignez Yves Michaud, donc? Non, mais lui, il le garde. Moi, je le donne. Ah, ben, moi, je suis bénévole, si vous voulez. J'en ai pas, là. Ben, c'est vrai, je le donne. Il n'y a qu'à voir mes femmes. Ah oui, elles vous coûtent cher, vos femmes. Oui. Vous voyez, mes femmes, mes enfants, tout le monde, au cours. Ouais. Les amis. On va revenir tout de suite après la pause. Gérard, vous avez la réputation de ne pas lire les scénarios. Oui. Tout comme vous avez la réputation de coller vos textes partout. Absolument. Sur un plateau, carrément parfois sur les partenaires. Et vous avez la réputation de décrocher votre téléphone entre deux prises. Vous avez déjà réalisé un film. Si vous étiez réalisateur et que vous vous retrouviez devant un Gérard Depardieu... Mais j'adore ça. Oui. Mais bien entendu, du moment qu'on a ce qu'il faut, du moment qu'il y a le résultat. Je veux dire, moi, dans les films que j'ai faits en tant que directeur... Mais les mecs, ils peuvent téléphoner, ils peuvent tout faire, même coller à une chose, du moment que ça ne se voit pas. Moi, là, c'est quand moi, j'ai mon texte, là, tu vois, j'ai mon texte et je ne te regarde pas. Je ne te regarde pas, tu ne vois pas, je lis un texte. Ouais. Soyez content, hein? Ah ben, c'est très bien. Alors, tu as des gens... Bon, John Malkovich, ça ne le gênait pas du tout. Il avait un œil comme ça, puis je disais, ça va, Gérard, là. C'était très bien. Fanny Ardant, pareil, ça ne la dérangeait pas. Vous avez tourné avec les plus belles femmes du monde, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Fanny Ardant, Nella Mouti, Jeanne Moreau, Andy McDowell, Isabelle Adjani, Sophie Marceau. Sharon Stone a dit de vous, je me laisserais bien entraîner 10 minutes dans une ruelle, j'adore son côté paysan. C'est fait. C'est fait. Oui. Et ça a duré 10 minutes ou moins? Ah, c'est un peu plus long parce que Sharon. C'est surtout moi, à mon âge, il faut du temps pour laisser monter le bout. Je vous cite. Le sexe ne m'a jamais vraiment attiré. Il n'y a rien de plus chiant que l'acte et je ne suis pas un conquérant. Ben, je ne sais pas si le sexe attire vraiment. C'est pas le... Non, c'est ce qui excite, c'est juste avant l'acte.
Parce qu'après, finalement, c'est la cigarette, et puis, on regarde ce qui s'est passé à côté. Casse-toi, Sharon. Non, c'est vrai, mais... Oui, est-ce que vous faites toujours ça dans des ruelles ou... Avec Sharon, c'est la ruelle. Sharon, c'est la ruelle quand ce n'est pas la poubelle. Oh, mais pourquoi? Mais c'est pas... C'est parce qu'on l'adore ici. Mais vas-y, il y a des gens qui adorent ça dans des... Voilà. Oui. Il faut, oui. Faut un peu de piquant. Ah, oui. Il y a des gens qui ont besoin de se faire avilir, voilà, pour aimer. Ben, Sharon, c'est ça, avec le QI qu'il y en a, c'est... Vous êtes toujours au téléphone. Où que vous soyez sur la planète, vous trouvez tout le monde et vous appelez tout le temps vos proches. Ça, c'était avant. Maintenant, je pense plus. Je pense que j'ai laissé tomber un peu le téléphone, oui. Et pourtant, votre fille Julie a dit sur le plateau de votre première audition qu'elle était presque contente d'être en foi avec vous parce que vous l'appeliez trop souvent. Ah, mais ça, c'est à la raison. D'abord, à la raison d'être en froid, parce que moi, ça, comme ça, ça me calme en même temps. Et c'est très bien, mais Julie a tellement de qualité. Je pense qu'elle a aussi la téléphonie aiguë aussi, ma petite Julie. Elle aussi? Elle téléphone beaucoup, oui. D'ailleurs, je réponds souvent à ses coups de téléphone. Maintenant, elle ne l'appelle plus, c'est très bien. On suit beaucoup vos histoires à travers les journaux avec votre fille, avec votre fils Guillaume. Comment vous vivez les déclarations publiques de vos enfants? Ah ben ça, je ne peux pas dire que j'ai des... J'ai des enfants, j'en ai trois, Roxane aussi, qui, elle, là, pour le moment, c'est très bien, fout la paix, mais Guillaume, on ne peut pas dire, c'était assez hard avec Guillaume, mais c'est... Lui, il n'écrit pas de confession, parce que le pauvre hardisson à côté, c'est un enfant de cœur. Guillaume est quand même le champion de tout. Tout ce qui lui arrive de pire, ça tombe sur Guillaume. Mais ça, j'ai vu ça, moi, quand j'étais avec lui. Je me suis dit, mais bordel, c'est pas possible d'être aussi noir, quoi. J'avais l'impression d'être avec Pierre Richard dans La Chèvre. Et c'est vrai que ça lui arrive. Mais c'est un garçon extrêmement grand. C'est un très grand acteur et puis aussi un grand musicien, un grand auteur. Mais il a... Bon, ben, on n'est pas des chiens, ne font pas des chats. Hein. Et Julie, pareil. Votre fils Guillaume. Et Roxane aussi, pareil. Oui, oui. On connaît moins. Mais on va la connaître. Votre fils Guillaume dit que vous êtes la seule personne qu'il connaisse à avoir menti à son psy. Pourquoi avez-vous menti à votre psy? Mais parce que je trouve que c'est vachement important, intéressant. Un psy, c'est vraiment des gens à qui on peut dire n'importe quoi, parce qu'on n'est pas sûr de bord d'une part qu'ils écoutent. L'important, c'est de payer quelqu'un pour vous dire, pour balancer des choses, voilà. Et vous lui avez menti sur quoi? Non, mais pas forcément menti, mais on balance des choses. Je veux dire, mentir, ça veut dire quoi? Je sais pas, non. Je pense pas qu'on puisse mentir, ou alors, faut être vraiment abruti. Non, je préfère me faire enculer. Ah, il est resté. C'est un choix. Non, c'est vrai. Non, mais j'ai eu l'image dans une ruelle. Sharon Stone est là. Salut, je sais bien. Oui, là, c'est ça. C'est bien. Oui, c'est un bon. Je vous cite, un acteur qui s'embourgeoise est un acteur qui se ternit. Êtes-vous terni? Oh, certainement. Bien sûr, mais d'ailleurs, je veux dire, ça serait triste de ne pas se ternir parfois. Non, non. Non, puis des acteurs, c'est tellement peu intéressant finalement que ça peut. Bon, il y a des choses qui vous apportent vers une grâce, et puis il y a d'autres fois où on est un peu plus plat. C'est normal. On va revenir tout de suite après la pause. 19 destinations, 19 vedettes, 19 histoires de charme. La petite séduction, dès le lundi 1er mai 20h, à Radio-Canada. Ah non, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se passe, Jules? Ah, je regarde les faits saillants des séries de la LNH sur mon sel. Puis, on gagne-tu? On était bien partis, mais là, on n'arrête pas de s'en faire compter. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est ça? Tu t'es rasé? Tu peux pas te raser, c'est les séries. Ben oui, mais ça me piquait. Bon, on vient de s'en faire compter un autre. C'est ta faute aussi. Je fais mal le lien entre ma pilosité et les résultats sportifs, là. Gérard, vous êtes un grand acteur qui a fait de grands films, entrevues, filmographie. Un titre de film qui nous inspire une question. Préparez vos mouchoirs. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Tiens, ce qui me fait pleurer, c'est un peu Patrick Devers, quoi. Parce que là, j'ai vu la chute un peu de Patrick là-dessus.
dans la drogue et dans les choses. Ça, oui, ça c'est grave et triste. Enfin, j'espère, je pense que maintenant c'est un peu passé de mode. Comme dirait l'autre abruti, c'est out. Hein. Puisqu'il a fait ses confessions, il a dit qu'il avait le nez dedans, le pauvre chéri. Non, il n'avait pas le nez dedans, parce que, ou alors il y est resté, mais c'est devenu très con. Mais en général, la drogue, c'est, ça rend plutôt intelligent. Cyrano de Bergerac, êtes-vous un homme romantique? Moi, oui, ouais. j'aime beaucoup les histoires d'amour. J'adore le romantisme, oui. Ben, d'ailleurs, le Musset était un grand romantique, et il se noyait dans l'alcool. Je trouve que c'est vrai que les alcooliques sont parfois peuvent être romantiques quand ils ne battent pas les enfants et la femme. Ah, j'en dis des bonnes. Oui, ça va faire la bande-annonce. Aime ton père. Qu'est-ce qui est le plus difficile, être père ou être fils? Je pense que c'est les deux, enfin, ça dépend. J'ai suffisamment, je ne sais pas du tout, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était analphabète. Beaucoup de gens dans la presse disaient qu'il buvait. Bon, je ne sais pas où ils ont pris ça, que le père était alcoolique. Je ne pense pas. Je pense qu'il avait ses crises. Je pense que c'est vrai que pour Guillaume, c'était certainement difficile, vu ce que la presse me mettait sur le dos, avec une vie un peu romancée. Je ne sais pas. Que vous n'avez pas toujours contesté? D'abord, j'ai pas envie de contester la presse, j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques, surtout ce genre de presse. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise en disant, non, on va pas faire comme Adjani, on va pas lire tous les articles qui nous concernent. Le placard. Vous avez déjà aimé un homme en cachette? Certainement, bien sûr. Qui n'a pas eu à l'école un gamin qu'on admirait, qui jouait bien au foot, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on va se faire bourrer, ni qu'on va le bourrer. Non mais, je veux dire, il y a des tas de gens, même en tant qu'homme, que j'admire, que je trouve beau, que je trouve intelligent, sensible. Ça ne veut pas dire qu'on est directement de la terre glaise. On ne travaille pas dans le boudin créole. Dans le caterpillar. Je préfère qu'on reste amis. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vous ont dit ça? Ah, c'est pas mal, je trouve, quand même, ça. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'avec l'amitié avec une femme est extraordinaire. Vraiment. C'est d'ailleurs parfois moins chiant. Donc, Sharon Stone, c'est votre amie? Oui, mais j'aime bien Sharon. J'aime bien les filles qui ont... Comment dire? Mais en général, j'aime beaucoup les actrices, c'est vrai. Obélix, vous aimez ça, faire ça? Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup, parce que c'est pas facile de faire une bande dessinée, de faire un trait. Mmh. Ça devait être difficile aussi, prendre le poids pour avoir le personnage. Non, c'est pas difficile, ça. Et Obélix, c'est pas une question de poids, c'est une question de ce qu'il y a dans la tête, quoi. Il n'y a pas grand-chose, c'est un champ de pâquerettes, c'est formidable. Ça repose. La machine, c'est vous au lit ou c'est vous à table? C'est les deux. La table et le lit, d'ailleurs, je mange dans le lit. Hein. Barocco. Pourquoi vous avez fait changer l'affiche du film? C'est pas moi qui ai changé l'affiche du film. Non, je crois pas. Ben, y a une belle anecdote qui courait à votre sujet. Est-ce que vous aviez fait inverser les noms pour que Isabelle Adjani soit en premier? Oui, non, mais ça, je le fais toujours, ça. Parce qu'ils sont tellement bloqués d'avoir le nom à gauche. Alors, ils mettent ça sur les contrats. Alors, bon, comme moi, c'est d'office là-dessus, alors ils me demandent, ça ne dérange pas si on... Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses idiotes dans ce métier. Dont ça, par exemple, les clauses d'un contrat d'acteur. On devient comme les Américains, savoir si la caravane est plus grande que l'autre, enfin bref. La femme d'à côté. Ça, c'est magnifique. Est-ce que la femme d'à côté est plus verte chez le voisin? Ouais, c'est un magnifique film. C'est tellement que les femmes d'à côté sont très belles. Quand j'étais représentant, c'est vrai que c'est formidable aussi de rentrer dans une maison et qu'une femme s'abandonne. Hein? Bon, mais ça dure juste 5 minutes, puis c'est fini. Ah, ça dépend. 10 minutes, il y a 10 minutes. Talents. Plus que ça. Maintenant, beaucoup plus. OK. Combien? Parce que maintenant, il fait goûter les 7 vins. Oui, en plus. Il fait goûter d'abord les vins. C'est interminable. Voilà. Non, pense-tu. Quand j'étais chanteur, avez-vous aimé ça, chanter? Oui. Vous avez commis 2 disques. Non, ça, oui, c'était un... Oui, il est pas mal, d'ailleurs, ce qu'il y a. Oui, on a un extrait, on va écouter. Ouais. La chanson « J'ai pu ». Ce pu qui va mettre le nez, s'intoxiquer.
je pue, qui voudra me supporter, enfin m'aimer. On dirait Julien Clerc qui est viré fou. Non, mais attends, il bêlerait. Non, là, là, non, non. Non, mais j'aimais beaucoup ça, ce disque, faire ces chansons. C'est vrai que c'est agréable de chanter. Encore faut-il avoir une bonne voix. Les chiens, ils vous font peur, les chiens? Oui, non, ils me faisaient peur. J'ai été attaqué par un chien en 78, là, par un malade. Parce que le chien, il fait ce que le maître lui dit. Et donc, après, j'avais tous les roquets de la terre qui venaient me bouffer les couilles. Donc, c'était vraiment très chiant. Et donc, j'ai eu peur et j'ai voulu faire cette espèce de thérapie, de faire ce film, qui est un film qui n'est pas très intéressant. Mais c'était uniquement pour me guérir, quoi, voilà. Et le résultat des courses, vous êtes guéri? Oui, mais j'aime pas, toujours pas trop les chiens, de même que les chevaux. C'est pas des animaux avec lesquels je coucherais. Parce qu'il y en a avec lesquels vous le feriez. Non, il y a des animaux avec lesquels on peut dormir. Oui. Un chat, c'est magnifique. Un hamster? Hamster, ah non, non, arrête. Intéressant. Ah non, non, non. J'ai vécu avec un hamster, non, non, arrête. Ah oui? Ouais, ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 10 ans. Ah, ben quand même. Non, c'est un hamster stable. Non, non, non. Je vais vous donner une petite carte. Oh. C'est quoi? C'est une espèce de souvenir, une petite phrase qui vous est dédiée. Vous nous lisez ça ici. Ben attends. C'est pas du Saint-Augustin, c'est du moi. Ah, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que vous voulez que je vous la lise? Oui, lis-la, va. Alors, avec la bosse de Jean de Florette, le nez de Cyrano et le tour de taille d'Obélix, on aurait pu vous croire un simple monstre. Mais avec vos lectures de Saint-Augustin, on peut maintenant y ajouter le sacré. Gérard de Tardieu, bon retour en France. Merci. Merci beaucoup. Je pue, qui voudra mettre le nez, s'intoxiquer. Je pue, qui voudra me supporter, enfin m'aimer. Je suis vénéneux, je suis cancéreux, je suis malheureux. J'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus malade. J'ai tout, cherchez pas, c'est bien moi le plus fou. Non, c'est pas à cause d'une femme, d'un état d'âme. Je suis rompu, rendu foutu. Non, c'est pas à cause d'une femme, d'un état d'âme. Je suis rompu.